I hope tonight goes well. So do I. But I wonder why he's so nervous. The Master does have his shy side, you know. Tonight is very important. Oh, maybe we came at a bad time. Well, there's only one way to find out. Donald! Now then, monsieur, mademoiselle, please enjoy the evening. And of course, our honored guests are welcome too. A welcome indeed. The organization! You don't know when to quit. Oh yeah? We'll show ya! Get out! Not tonight. I've come to take something you hold very dear. Yes, let your anger glow. Beast, we have to get rid of these guys first. Voilà, donc salut tout le monde, c'est Volk, et donc on se retrouve pour la suite de Cache, où on attaque le deuxième passage dans le château de la bête, on va dire sur les chapeaux de roue. Où on se fait directement attaquer donc par un membre de l'organisation 13 avec des simili. C'est super, on avait vraiment besoin de ça. Alors, je fais juste un petit tour rapide. Oui, donc la bête, c'est bon, là, tout ce qu'il faut. Ok, objet. D'accord, j'ai plus que des méga potions. Qu'est-ce que... Oula, putain, l'inventaire commence à être un peu vide, là. Ouais, non, ça, on en a pas besoin. Bon, on va y aller comme ça. En freestyle, comme d'habitude. On a de la bonne musique d'entrée de jeu. Donc bon, je suis resté silencieux au début, c'était le temps de laisser passer les dialogues, les cinématiques et tout, parce qu'en temps normal, je reste silencieux durant ce temps-là. Mais... Viens là, toi.
c'est plus agréable pour vous quoi d'avoir les dialogues pépères sans m'entendre par-dessus. Et donc là évidemment par contre on a vraiment putain des simili qui nous tombent dessus. Magie et booster combo aérien. Oh putain c'est bon ça. Donc voilà. Là par contre on va manger du simili dans ce monde parce qu'on a Xaldin justement qui est là. Donc c'est le membre de l'organisation. La rose. Allez hop. Booster combo aérien, c'est où? Hop, c'est fait. Donc direction la chambre de la bête, si je me souviens normalement. Je crois que c'est par là. Il manque que j'obtienne une explosion quand même, parce que ça manque ça aussi. J'espère que ce sera bientôt. Mais merde, il y en a encore un. Oh, cristal, il y en a un. Hop là. All West, il me semble que c'est là. Parce que ça fait un petit moment que j'y suis pas retourné, du coup j'ai un petit doute. Ah le Sanctuaire qui joue avec cache-cache, le distributeur. Alors en fait lui il est un peu spécial parce qu'il fait que se balader, il attaque pas, sa vie descend par contre. Et à chaque palier de santé en fait on a la possibilité d'avoir un objet. Donc je vais essayer d'attendre vraiment le dernier moment pour avoir les meilleurs objets, mais bon, c'est pas forcément gagné. Allez, d'objet, voilà. Voilà, il donne vraiment masse de trucs. Oh, un oricalque et cristal de sérénité. Parfait. Alors les oricalques, en fait, c'est un peu les objets, enfin les matériaux, on va dire, qui sont plutôt rares. Voire même très rare parce qu'en réalité on en a un nombre limité d'ailleurs dans les coffres. On peut en obtenir en dehors des coffres uniquement avec ce sans cœur. Encore faut qu'il apparaisse. S'il apparaît que dans certaines zones définies. Et il faut attendre le bon moment pour en avoir aussi. Donc c'est pas dit qu'on en ait tout le temps à chaque fois, ou du moins, même avec ce sans cœur. Donc là ça fait vraiment plaisir à voir parce que du coup l'orical qui est un des matériaux. Qu'on a besoin en fait pour créer des accessoires ou armes avec le mug de classe, on va dire entre guillemets ultime en fait. Enfin, voire même arme ultime pour Donald et Dingo, on a besoin d'Oricalc. Voire peut-être même d'Oricalc plus, il me semble aussi. Là j'ai un doute, il va falloir que je vérifie quand je trouve un mug. Oricalc plus, c'est sûr qu'on en a besoin pour la Keyblade de Sora, parce qu'évidemment Sora va avoir une Keyblade de ultime, ça va de soi. Mais pour les armes de Donald et Dingo, j'ai... Oups, un doute. J'ai pris cher. Oh, si on comprend que là, c'est bon. Une gemme. Ah, c'est eux qui donnent les gemmes noires. Oh, pas mal. Alors, on va se calmer un peu.
Voilà, un petit coup d'aimant histoire qu'il reste un petit peu en apesanteur. Hop, voilà, à côté de ton pote en plus, c'est parfait. Voilà. Salut, tu sors d'où toi? Force et points de compétence pour Donald. Il en était où au fait compétence Donald? Est-ce qu'il y a quelque chose que je voulais lui mettre? Boost of là. Non, c'est bon, il est très bien. Ouais, il met attraction, mais c'est pas obligatoire pour le moment, donc c'est bon. Have a party, didn't you? Don't you see what's happened? Hey, what's with you? The rose. My rose. What? That? He took it? But surely you can find another rose. Silence! You don't know anything! That's not fair, Beast. Don't take it out on Belle. It's not like she stole it. I'm sorry. You don't have to apologize. But... Belle... Sora... I want you to leave the castle. Look at me. Look. This is what I am. When you first got here, I tried to change. But I was only fooling myself. I can't be any different. I'll always be a beast. So I should live like a beast. With no one alone. Goodbye, Belle. You can't mean that. Oh, I think his mind's all made up. Yeah. Look, Belle. Leave this to us. If we can get the Beast's rose back, he'll calm down. Ouais, encore faut lui ramener sa rose. Bien. Allez, retour. C'est vrai qu'on a le symbole de Marluxia aussi qui est arrivé. Je vais faire un essai autant. Voir si j'y arrive ou pas. Hey, Beast!
Leave me alone. Come on, you need to hear this. You used to be fearless. You would have given your life to save Belle. Don't you know what that meant to us? You gave us all courage. Maybe you should have kept some for yourself. I mean, are you really gonna throw your happiness away? The rose is your only hope, isn't it? Well, it's the only hope for Cogsworth and the others, too. So don't throw away your last chance. Remember what it was like before Belle lived here? See? You can't give up. Not now. I know one thing. What? This castle belongs to me. Zaldin will never be welcome here. Oh! La rose de con... Putain, j'avais oublié ce détail. Pourtant, un détail pareil. Ah, ouais, c'est vrai que ça fait un coup critique supplémentaire. Ça peut être grandement utile. Ouais, par contre, zéro en magie, quoi. S'en fout. Alors, je vais faire une sauvegarde. Alors, pas pour marquer la fin de partie, hein. Non, faut pas déconner. Non, c'est juste que je vais... Pour le challenge, on va dire, entre guillemets. Je vais tester Marluxia. Pour voir si j'arrive à le battre ou pas. Juste pour essayer. Oui, par contre, évidemment, on est avec Donald et Dingo, la bête est pas là. Par contre, sur le terrain, on voit bien la rose, quand même. C'est normal que ça m'arrive, ça, du coup. Le boss de fin de Chain of Memories, pour ceux qui n'ont pas regardé, je vous précise. Alors le combat est un peu particulier parce qu'en fait on perd pas de vie, mais on a le compteur en fait qui descend, c'est le nombre de coups qu'on peut prendre. Ah putain merde. Avant le game over. Putain, j'ai quand même pris le dernier. Ça commence à sentir le roussi là. Putain, j'avais pas vu qu'il avait autant de vie. Et la parade, c'est quand que tu l'as fait? Enfin. Tant pis. C'est dommage, pourtant Marluxia, j'y arrivais bien dans ma partie off, mais bon, tant pis. 36, j'ai peut-être pas encore le niveau, faut voir. C'est évidemment, plus le niveau augmente, plus on a de coups, parce qu'en fait, le nombre de coups, c'est tout simplement le level qu'on a. Alors, je vais réessayer une dernière fois, juste comme ça.
Je vais tenter pareil. Ah putain, mais le miroir, merde! Voilà. Voilà, ça revient un petit peu. C'est déjà pas plus long. Oh putain. Je... Allez, ramasse. Je pense pas que je le battrai parce qu'il a quand même beaucoup de vie. Surtout qu'au fur et à mesure que sa santé baisse, il sort de nouvelles attaques. Mais bon, je vais quand même essayer de faire ce que je peux. Hop là. Ouais, voilà, en l'occurrence, celle-là elle fait mal. Ah! Dommage! Allez, on y retourne. On reprend l'histoire, on arrête les conneries. Allez, donc on va récupérer la rose. On va essayer. Non, pas toi. Putain. T'as décidément ce couloir, c'est un peu la misère quand même en sans cœur. Bon, y'a plus personne. Ah, merci. Oh là là. Je prends relativement mal quand même, hein. Je peux utiliser méga potions parce que j'aimerais vraiment les garder pour le boss.
2. Voilà. J'en ai ma claque de cela. Non mais sérieux là, faut... À un moment faut se calmer là. Je sais pas comment j'ai fait pour pas me faire toucher avec les deux. Voilà. C'était quand même plus calme à l'aller. Hein. Oh, une méga potion, ça, ça fait plaisir. Bon, Donald, tu reviens. Voilà. Ouais, c'est mouvementé là carrément. Pourtant, j'ai le bon niveau. Je pense qu'un petit coup de level up, peut-être pas été trop. After all, you had me worried. I was afraid you'd given up for good. What do you guys really want? Kingdom Hearts. When Kingdom Hearts is ours, we can exist fully and completely. So you see, Beast, that's why we need your heartless and your nobody. Là, les 6000 qu'on voit, la lance, ça j'aurais pas parlé au début, mais ceux-là, ils peuvent donner justement une lance pour Donald, pardon. Pour que du coup, il ait une nouvelle arme un peu spéciale. Mais bon, encore, faut qu'on ait du bol, faut qu'elle tombe. C'est pas forcément gagné. Un peu comme pour le bouclier de Dingo, à force de tabasser du sang-cœur, j'ai obtenu le livre. Voilà, un point de défense pour la bête, ça fera pas de mal. Ça va, pépère le mec. Alors, où c'est que j'en suis, moi, un petit peu? D'accord. Faire un petit tour au Mog, un peu, pour voir ce qu'il propose.
formule. Ah oui, voilà, Save the Queen. Donc ça, c'est l'arme ultime de Donald. Et donc oui, c'est bien un oricalque qu'il faut. Et il faut chaque grade d'objet mat. Ok. Donc ça, on en obtiendra bien plus tard dans le jeu, c'est pas pour tout de suite. Et d'ailleurs, vu que j'ai sous les yeux, autant le dire, donc l'arme qu'on a, la Save the Queen, il y a un modèle plus aussi, pour dire que c'est encore amélioré. En soi, les stats de l'arme restent les mêmes, mais par contre l'effet de l'arme est différent, et le Save the Queen plus est bien mieux. Et bien mieux parce que ça accélère encore la récupération des PM pour Donald, ce qui en soi est très bien. Alors conception, qu'est-ce que... Ouais, poignée de force, anneau étoilé. Moyennement fan. Je peux faire un élixir si je veux, ouais. Je vais faire une mitrine. Ouais, je peux en faire une améliorée. Ouais, pourquoi pas. Prends la magie, augmente le PC max de 5. Ok. Élixir. Je peux créer un méga élixir si je veux. Donc l'anneau étoilé, je sais que ça augmente que les PC max et le poignet de force, ça donne 4 points de défense. D'ailleurs c'est un peu con d'appeler ça un poignet de force alors que ça augmente la défense, mais bon. Bon, ce que j'ai mis en force... Enfin en défense, pardon. Bon allez, je vais créer le méga élixir et basta. Bon, je vais garder les gemmes de vitalité par contre. Hop, et... Ouais, je propose pas grand chose de bien. Alors, objet. La chevalière. Chevalière va être pour Donald. Ah, ça laisse sa magie plus 1, ça lui donne juste un point de compétence. Ça, c'est vraiment la loose. Ouais, puis là en plus, c'est de l'attaque que je me suis mis. Bon, on verra plus tard. Alors, je vais explorer un petit peu l'extérieur avant de refaire une sauvegarde. Ça, c'est qu'on a une demi-heure. Ouais, non, je vais la faire en une partie parce que là, après, c'est plus que le boss fight. Je vais juste, voilà. Oh putain. Relativement mal, carrément. Non! Putain, je peux utiliser l'action pour ça, moi. Bon bah, finis-je dans le vide. C'est pas grave. Is that? Look, it's the rose.
Apparemment, j'avais déjà fait le nettoyage de la cour. Vu que le coffre était déjà ouvert. Puis j'ai l'impression qu'on va directement enchaîner avec le boss fight du coup. Bon, bah tant pis, pas de save. The travel light, what shall I leave behind? Bell or the rose? Bell! Good one, Bell! Là, on va beaucoup moins se la jouer par contre. On va beaucoup moins se la jouer. Un peu en train de ramasser mon grand. Ok, donc là apparemment ça m'entend ramasser. Attends, en tout cas je suis content, je l'ai mis mais tellement cher. Là. Pff, comment je l'ai déboîté, mais comment je l'ai fumé. Et en plus il y a un miroir plus à la clé, mais c'est énorme. Là, je suis content de ma prestation. Finalement, honnêtement, hein, je vais dire clairement, je m'attendais à recommencer quand même 2-3 fois le combat. Vraiment. Pour moi, dans ma tête, c'était prévu que je recommence quelques fois parce que Xaldin, comme on a pu le voir déjà, il m'est extrêmement cher. Il est pas évident à combattre parce qu'il a une phase d'invincibilité pendant son combo où il est entouré de son aura. Je m'attendais quand même à mourir. Mais alors là, j'ai fait une belle prestation et honnêtement, je suis content de moi. Ça fait plaisir. Et puis en plus, c'est capturé du premier coup, donc chapeau. Here, it's yours again. Belle? I know. You want me to leave the castle. What matters is, you weren't hurt by Xaldin. You're safe. And, I'm very grateful to you for bringing the rose back to me. Thank you. It's the least I could do. You've been good to me, and you didn't have to be.
Listen, Belle. Yes? Oh. Say it. Go on. Come on. You can do it. We have confidence. Don't be bashful now. Belle, I'd like you to stay with me, please. I will. Maestro, music. Il suffit de demander pour avoir la musique. Merde, je savais pas moi. Hey, did you see the look on Belle's face when she grabbed that rose? Musique. Yup, she sure was having fun, all right. She is rather unique, isn't she? Always ready for a little adventure. The two of them do seem made for each other. Yeah, they sure do. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Est-ce qu'il y a un événement qui se passe direct? Je sais plus. Ah, si, je crois qu'on va être appelé à la forteresse oubliée. Hey everybody, I'm picking up a strange reading. Are you sure? Let me see. Look, it's all cloudy and kind of fuzzy. Probably just a glitch. Non, c'est plus tard. Ok, cool. Et ben voilà, donc du coup, fin du château de la bête. Et oula, 39 pour le Colisée. Je vais peut-être faire une petite séance de level up alors. Bon, écoutez, non. On va se quitter là-dessus. Donc je vous dis à la prochaine pour le Colisée de l'Olympe. Où on va retourner voir Hercule et Auron. Mais avant, je pense qu'en off, je vais faire une petite séance de level up parce que j'ai pas tout à fait le niveau. Donc je vais lever le pain un petit peu pour être plus à l'aise pour les combats. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et jusqu'à là, portez-vous bien.